ces garçons-là, en fait, ils avaient un projet rail sur lequel ils faisaient un peu de recherche et tout. C'est des passionnés avant tout de cassettes, la cassette musique du monde, musique africaine, indienne, etc. Et ils avaient envie de faire un projet rail. On s'est rencontrés et tout. Moi, j'ai vu tout de suite qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. La base, elle est vraiment rail. On revient quand même aux sources du rail, comme il se faisait dans les années, on va dire, 70. À l'époque, on l'appelait le rail pop. Parce que les musiciens de cette époque-là en Algérie, ils jouaient tout ce qui était rock, Beatles, etc., Led Zeppelin, Santana, etc. Et puis, ils se sont mis à faire du rail avec des groupes locaux et tout. Et on appelait ça rail pop parce que c'était des musiciens vraiment pop. Et là, c'est comme si on revient un peu en arrière, on reprend un peu les choses à la source pour faire quelque chose de moderne, mais en même temps en respectant le son de cette époque-là. غيرني